Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne jeustratégie.com. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le let's play sur Endless Space 2, c'est le cinquième épisode et c'est parti. Donc j'avais terminé le dernier tour sur les dernières vidéos, on avait assimilé donc les Isho et donc logiquement en passant le tour on devrait terminer la quête numéro 1 principale. Logiquement c'est ça. Ok, j'ai un nouvel héros disponible pour le recrutement. Alors Pacifique administrateur, très bien. Un amiral ou un corporate. On va partir sur un Lumeris comme ça. Ou j'ai peut-être lui aussi qui est porté sur les ressources. Non, je vais partir sur un commandant de flotte. Donc on va prendre lui. On va le valider. Stock, ok. Donc ça, on a réussi l'objectif. Par tour sur un de nos systèmes, 150 par tour sur un de nos systèmes et on gagne Black Authority, Tax Authority, donc qui est un plus 30 de ressources, 30% de ressources en dust sur le planète Home System. Très bien, ok, 150 sur une planète, sur un système plutôt, un système. Donc on a un nouvel héros, on va l'inspecter. Je peux utiliser un point de compétence. La première chose que je vais faire, c'est donc le mettre dans la gestion de flotte, puisque ça va être mon amiral par tour sur la flotte. Et on va prendre ça. Voilà. On va lui l'assigner à mon flotte de combat qui se trouve. Où est-ce que se trouve ma flotte? Là. On va lui assigner un commandant. Ah, faut qu'elle soit en orbite d'un système, donc on va attendre quelques tours. On a gagné deux populations sur Ovaldi. Ovaldi, très bien. Là, orbite, donc ça je vais faire le dust to dust, on va le gagner tout de suite, parce qu'on va y arriver dans le prochain tour. Là, je vais finir le drone network qui va augmenter la ressource de nourriture et de production, et je vais faire peut-être juste après, c'est peut-être long quand même. Par système level, donc le système level ça doit être le nombre de populations. Bon, on va le faire pour voir ce que ça donne, même si je ferais peut-être bien un autre vaisseau de combat, on va juste avant pour avoir un peu plus de protection. Je vais peut-être faire aussi ça, 5 tours à faire comme ça. La nourriture, on verra sur ce système, c'est pas important pour le moment. Tac. Sur Ovaldi, où est-ce qu'on en est sur mes ressources? Donc la planète qui est colonisée, elle est là, elle n'a pas grand chose. Subterrane, il faut level 2, il faut donc un level 3 même, je ne l'ai pas encore. Très bien, donc il faut que j'amène un vaisseau d'exploration sur ce système pour explorer toutes les anomalies. Et donc sur Veran, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai 2 de ressources de gains de ça, mais j'aimerais bien c'est récolter du titane quand même pour pouvoir faire des vaisseaux un peu plus améliorés. Alors une planète avec du titane, qu'est-ce que j'aurais? Là c'est celle-là, donc je peux pas pour le moment. C'est là, oui, c'est celle-ci qu'il faut que je colonise. Avec les ressources de titane que j'aurai par la suite et même l'hyperium, ça pourrait être, me permettre d'améliorer un peu mes vaisseaux, c'est-à-dire que je pourrais créer des vaisseaux avec des composants que j'ai débloqués dans les technologies. Ce que je vais faire par la suite, je vais débloquer tous les niveaux, les missiles, les armes et les défenses niveau 1 du module de l'âge 1. Alors, on va faire ça. Donc là, je n'y suis pas encore. Toi, tu as combien? 4? Bon, c'est parfait. On va pouvoir faire pas mal de choses. On va prendre... Il m'en faut 2 pour lui. 2... Ah, c'est beaucoup, c'est cher. Faut 2 pour tous. Bon, on va faire ça. Non. C'est pas comme ça déjà. On va l'annuler. C'est dans cette vue-là. Donc, le petit 2 points. Très bien. Donc, le Ovaldi 3 me donne 35 d'hyperium en loot. Très bien, c'est parfait. Tac, tac, tac. On va faire pareil. On va tout explorer en fait, le but est d'avoir des ressources. 40 de Dance et Saints, ok. Encore parfait. De l'Hyperium. Et on va faire le dernier.
Les 4 points auront été utilisés et on aura eu pas mal de loot, c'est très bien. Ce que je voulais voir, c'est sur la vue d'Empire, je n'ai pas. Non, c'est celle-là. Je n'ai pas encore de système development pour utiliser les ressources pour améliorer le système, les revenus. Et je veux te souvenir, il faut que je débloque. C'est celle-là. Non, c'est laquelle? Où est-ce que. Je sais qu'il y a une technologie dans le deuxième âge qui permet donc de développer une nouvelle. C'est celle-là. Ah non. J'ai l'impression que c'est pas. Ah bah oui, c'est. Je joue avec une. J'ai essayé une nouvelle partie à côté pour apprendre un peu plus le jeu un peu plus rapidement. Et donc j'avais débloqué une technologie qui nous permet d'augmenter, de créer donc ce que je veux faire, c'est les développements de planètes, de systèmes uniques. Quand je l'aurais trouvé, c'était pas de l'âge 3 quand même. Non, c'est beaucoup trop loin. Tac tac tac. Où est-ce que c'est un âge 1 que j'ai pas fait attention? Non, non, c'est de l'âge. C'est pas de l'âge 1, ça. C'est pas de l'âge 1. Bon, on verra par la suite. On va pas passer trop longtemps. J'ai deux vaisseaux. Toi, tu as une sonde. Ici, il doit avoir ça. Light Change Anomaly. Du loot. Là. Subterrane, il y a plus de chances d'avoir du loot. Et qu'est-ce qu'on récolte? Oh, de l'hyparium sur cette planète. C'est intéressant. Plus 75. On va prendre ça. J'ai pas beaucoup de recherche. Je suis en retard, hein. Je suis pas le meilleur. Ah non, si. D'après ce que j'avais vu sur ma partie, je suis pas en avance. Alors, tac, tac. Fin du tour. Parfait, le tour se termine. On va faire ça. Bataille, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut influencer? Je pense, ouais, c'est ce que je pense, hein. Il manque beaucoup de choses qui étaient prévues par rapport pour le moment sur cette partie. On va la regarder encore une fois. Fight, j'aurais pas pu mettre un commandant. Il faut que j'attende après cette bataille. Battle plan, Interloy, close battle plan. Donc, dans les prochains patchs qui vont apparaître, donc pendant le early access, seront rajoutés des événements pendant les batailles. On accélère un petit peu. Donc voilà la flotte ennemie. C'est toujours les mêmes images, ok, ça se présente toujours de la même façon. Si on se met pas en free caméra. Tac, scan, ça me permet. Si je me mets en free caméra, je peux voir les ennemis, où ils sont. Où ils sont là. Très bien. Accélère un peu. Donc là, normalement, je vais en contact. Eux, ils essayent de fuir. Et moi, je vais les attaquer. Voilà. On va peut-être ralentir pour que vous puissiez voir. Les animations sont sympas. Hein. Ça reste toujours purement visuel, puisqu'on n'agit pas du tout dans le combat. Hein. Par contre, toute cette phase de bataille, de plan de bataille va être amélioré. J'espère vraiment que ça va rendre les choses intéressantes. Ce système de plan de bataille ressemble un peu à ce qui se fait sur un 4X qui vient de sortir, qui est en early access aussi, mais que pas dont j'ai proposé une vidéo découverte qui est Oriental Empire. Pareil, où on donne des plans à suivre à nos troupes et celles-ci appliquent pendant les batailles et on n'agit plus pendant les batailles. C'est quelque chose qui peut déranger. Après, c'est une. C'est pour montrer des nouvelles choses. Il faut voir jusqu'où peut aller ces plans de bataille si ça a vraiment un gros impact. Bon, on vient de gagner. Je vais pouvoir coloniser et acheter la planète. Je vais mettre tout de suite lui. Il faut que je sois dans un système qui m'appartient, je pense. Donc on va coloniser celle-là. On la colonise. 175 points d'influence pour augmenter de 50% les revenus de nourriture. Il faut 13 tours. 350 de nourriture pour gagner 10 tours à peu près, 5 tours. 175 points de ça coûte cher, 13 tours, on va patienter 13 tours. Donc là, on peut rien faire dans ce système tant qu'on colonise. Par contre là, est-ce que maintenant je peux? Non. Donc toi, tu as fait ton boulot. Ce que tu vas faire, tu vas revenir là. On va revenir vers Verran.
Ok, donc on a ça, c'est les 75 de gold qu'on a eu. Population perdue. Ovaldi, très bien, on va aller voir ce qui se passe à Ovaldi. Hop, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, pourtant il y a l'air d'avoir la nourriture qu'il faut. Je sais pas ce qui s'est passé. Moins 177, le stock actuel. Il y a un événement qui a dû se passer, je ne l'ai pas vu. Bon, je sais pas. Donc toi, tu vas aller maintenant. Où est-ce qu'il reste de planète à explorer? Je suis en train de regarder en fait où il y a des explorations à faire. Ben, il y a Tsing. Donc, tu vas aller à Tsing. Toi, tu as pas, t'as rien. On va attendre un tour. On va bientôt avoir l'astrofinance. Très bien. Bientôt, je vais avoir toute cette zone qui va se lier. Ah, Batten a de nouveau disparu. Ah non, il y a un petit bug. Donc, je pensais qu'en fait la faction avait disparu la dernière fois, dans le dernier épisode, mais je dois avoir un bug visuel, selon la façon dont on zoome. Alors là, j'ai tout perdu. Très bien. Donc il n'y a plus d'habitants sur cette planète. Pourquoi? Ah, est-ce que c'est parce que... Ah, la nourriture, pourtant, il y en a de base 54. Mais où passe la nourriture? Où va la nourriture? Faut 3 tours. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est particulier? Je n'ai pas compris là. Bon, on va étudier ça. Allez, j'ai un vaisseau qui doit se déplacer. Toi, tu es en cours de déplacement. Et là, je peux? Oui. Confirme. Voilà, comme ça, on a un petit commandant. Je vais plutôt te ramener dans la capitale. On va avoir un vaisseau là qui a une sonde, parfait. Qui va pouvoir m'explorer ben, cette planète Toundra qui pourrait être intéressante pour plus tard. Il y a du titane, elle pourrait être très intéressante. C'est un dépôt comment? De 2. Parfait. Il y a de l'hyperium, juste pour récolter les ressources. Je pense que je vais la prendre par la suite. Il va falloir que je trouve un moyen d'explorer. Et encore, logiquement, je peux presque acheter à distance si j'arrive à explorer une zone et revendre des planètes. Ok. La caravelle qui est donc toi tu vas patienter un tour et on va passer à un autre tour. Mes caravelles sont bientôt moindre rencontre avec des pirates, elles sont mortes. Mes vaisseaux d'exploration. T'as combien? Une. Ok. Tu vas m'explorer ça. Et on découvre de l'hyperium, du loot d'hyperium. Très bien. Et toi, t'as rien, donc on passe le tour. Ah, Véran, j'ai fini la construction, j'ai pas fait attention. Donc, sur Véran, Happy, faut 6 tours. Donc, j'ai pas encore débloqué de technologie pour les spécialiser. Je prendrais bien quelque chose pour augmenter la recherche. Où je fais ça? 3 tours, recherche. Voilà. Coûtant un peu d'argent. Ouh, je suis passé à plus 6. Il va falloir vraiment que je fasse de l'économie maintenant. Technologie terminée. Parfait. Alors, j'ai débloqué Colonial Agent, plus 1 par personne, je peux spécialiser les planètes, et Exégnotourisme Agence. Alors, on va aller voir ce que je vais débloquer. Je partirai bien sur les armements d'isotopes ou spécialisés dans le plasma avec l'hyperium. J'hésite. System Improvement. Ça c'est pour spécialiser la planète. Ouais, xénologie. Ah bah oui, il faut que je l'ai. Moi je suis bête, je l'ai. Problème, j'ai pas vu la couleur correctement. Par contre c'est ça, je peux pas exploiter pour le moment l'hyperium. Faut combien de tours? 8 tours. 8 tours et on va faire comme ça.
Il manquera encore une technologie ensuite pour débloquer la nouvelle ère. Est-ce que je partirai pas sur ça? Non. Peut-être je vais partir sur ça après. Voilà. Comme ça, je pourrais me déplacer enfin hein, sur une autre constellation. Toi, tu es arrivé là. On va te mettre en repos. Et logiquement, tu dois te réparer tout seul. Ah non, il faut 580 de gold pour réparer les vaisseaux. Ouh, c'est pas donné ça. Toi, parfait. Une sonde. Et voilà. Tsing 2. Qu'est-ce qu'on découvre? Du loot d'Hyperium. Ok. Et toi, je peux faire quelque chose? Une sonde aussi. Et ben voilà, il restera débloqué et découvrir ce qu'il y a ici, celle-là. Dense atmosphère, très bien. Plus 5 de loot d'expérience, de recherche. Passons le tour. 29 tours, on a déjà fait pas mal de tours en fait. Presque un tiers. Le pouvoir, d'accord. Niveau 3 de l'académie. Toi, tu as eu un nouveau niveau, tu es mon level 4, donc bientôt je pourrai utiliser la deuxième partie de l'arbre qui est bloquée à 5 points de skill à utiliser dans la première partie. Donc là, on va prendre ça et on va l'appliquer. Voilà, on va gagner un peu de recherche quand même. On fait gagner quand même 2 tours. C'est intéressant. Population gagnée, on va le dire. Ok. Donc on a totalement exterminer les Ichos, j'ai l'impression, pour prendre leur place. Pourquoi pas? Donc il n'y a plus de Ichos, si je crois que j'en ai ici. J'en ai un. J'en ai bientôt un deuxième. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai terminé sur Ugaro. On va plutôt faire comme ça. J'ai besoin de gagner de l'argent. Plus 25 sur le système, ça va me faire beaucoup de bien. Mais c'est 13 tours. C'est dommage qu'on puisse pas plus spécialiser après les populations. Sur ça, vu qu'on peut, a pris l'habitude sur beaucoup de 4x2, spécialiser, déplacer les populations entre deux types de production. Alors, toi, tu vas pouvoir utiliser tes dernières sondes. Voilà. Et toi, je crois qu'il n'y a plus rien. Single Moon, très bien, plus 5 d'expérience. Là, il n'y a rien à explorer. J'ai plus rien à te faire faire. Si, tu vas pouvoir venir là, puisque je suis bientôt 8 tours. Très bien. 8 tours, 8 tours. Et on va pouvoir utiliser une nouvelle colonie qui m'a l'air en plus très intéressante. 8, 9 de population. Je vais pouvoir produire du titane et commencer à faire mes premiers vaisseaux améliorés par la suite. Je suis un peu tranquille pour le moment, même s'il y a Batten, la faction avec qui je suis en guerre froide, mais qui m'a l'air beaucoup plus faible que moi. On peut pas faire de paix tant que j'ai pas débloqué la technologie du deuxième âge. Donc toi, tu vas te dormir, parce que j'ai rien à te faire faire. Ah si, au cas où, tu vas venir là, comme ça ira plus vite. Par la suite. Allez, on passe encore un tour et je pense que dans le prochain tour je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une construction qui s'est terminée. Ok, à Ovaldé, des fermes supplémentaires. Donc la progression va être beaucoup plus rapide au niveau de la nourriture. Il y a vraiment cette partie 50 des systèmes improvement. Très bien. Oui, on peut voir la liste des bâtiments. Donc j'ai ça. Ah, ok, plus 20. La colonie de base, très bien, une base de colonie, c'est ça qui donne les 40 de nourriture. J'ai eu un event. Fin de cet event. Très bien. Véran est au max aux populations. Plus d'augmentation de population sur Véran. Il va falloir que je débloque des technologies via. Et pour débloquer des bâtiments. Planète 20, 20, 20, 2, 2, 2. Intéressant. Divisé en 3 la population. Qui est assez riche quand même. Me donne pas mal de ressources. Il va falloir que je fasse ici ça. Ensuite.
pour gagner de l'argent. Toujours de l'argent. Voilà, mes vaisseaux là sont arrivés. Donc je te souviens tant que... Ah non, c'est bon. C'est que je sais pas pourquoi ça marchait pas la dernière fois. Donc là, on a découvert de l'hyperium. Parfait, sur cette planète. Et l'idéal, ce serait de trouver... Ah, j'ai plus de points. Je pense. Fin du tour. J'aime bien aussi le... Je sais pas si vous avez remarqué la musique. Bon, vous l'entendez peut-être pas beaucoup parce que je l'ai un peu réduit au montage. Mais quand on zoome dans les menus, elle réduit et quand on revient sur la carte de galaxie, elle remonte toute seule. C'est vraiment sympa comme principe. Comme si on avait besoin d'être concentré dans la partie menu. Allez, ce serait bien un autre dépôt de luxe. Oui, c'est ça. Super. Donc ça, je vais vous montrer ensuite ce que ça fait. Et sur la terrienne, la continentale, on va l'appeler. Qu'est-ce que j'aurais? Un dépôt. Non, ouh, 100 de gains. Ouh, j'ai débloqué la technologie directe. Ça, c'est très bien. Oui, pour vous montrer, on va terminer là-dessus. Donc les produits de luxe vont être utilisés par la suite, et les produits de luxe, donc pour améliorer les systèmes development qui vont donc donner des boosts dans les ressources. Et donc là, je viens de gagner une ressource de luxe qui va normalement... Je vais en avoir tous les tours, deux ou trois, un ou deux à chaque fois. Et je pourrais dépenser donc avec un système de développement pour gagner 50%, je crois, de ressources supplémentaires dans mes systèmes. Donc c'est ce que je vais. Il faut juste que je trouve la technologie qui correspond à ceci. Allez, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié de nouveau cet épisode Endless Space 2, que vous appréciez le jeu. C'est l'Early Access, je le répète. Je suis 35e tour. On vient de faire jouer 9 tours à peu près, une dizaine de tours. On s'arrête au 100e tour puisque le jeu est limité aux 100 premiers tours pour le moment. C'est l'alpha hein, qui débute. Et tout ceci sera débloqué au fur et à mesure du développement qui devrait, je pense, durer quand même 2 ou 3 mois encore en Early Access. Moi, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager, commenter comme d'habitude la vidéo.